Bonjour, je suis Charles Bourgeot, je suis CTO chez Inside. Inside est une offre intranet nouvelle génération. Nous avons pensé cette offre pour être le carrefour entre la communication interne et les outils de l'entreprise. On a travaillé sur cette solution de façon à améliorer l'ergonomie et pouvoir produire un stack technique innovant. Côté back, on a travaillé avec le micro-framework Lumen de Laravel pour la couche métier de l'application. Et on a dédié la partie données à un Drupal. Côté front, nous avons décidé de travailler avec le framework Vue.js pour son approche modulaire qui nous a séduit déjà depuis plusieurs années. Pour lier le back et le front, nous avons mis en place des web services au niveau de notre Lumen et utilisé une approche headless pour construire le front. Le tout est build avec un webpack. On travaille également avec du Node.js pour le temps réel et avec Solar pour la recherche avancée. Au niveau des challenges, nous voulons mettre en place plus de DevOps avec de l'intégration continue, du déploiement continu et des tests unitaires. On veut aussi travailler pas mal sur l'optimisation de la solution. On a vraiment une quête de la milliseconde qui nous permet de rendre l'application vraiment smooth à utiliser. Et en parallèle de ça, on fait en sorte d'avoir une documentation qui est toujours très au point et qui permet aux nouveaux arrivants de pouvoir appréhender facilement le projet. On recherche des développeurs back et front, mais également des DevOps et également un consultant IT. Le but, c'est d'aller plus loin dans la solution, de l'amener à un niveau plus intéressant pour nous et surtout de faire en sorte que nous soyons les leaders français de l'intranet. On cherche avant tout des têtes bien faites, des esprits curieux et pas uniquement des personnes qui vont cracher bêtement du code. Inside est une nouvelle approche de l'intranet. Nous avons décidé de créer cette solution qui soit à la croisée des chemins entre la communication interne et les outils métiers d'une entreprise. Le tout travaillé sur une ergonomie innovante et avec un stack open source de bonne qualité.